Oh, mais arrête, Ivy, d'avoir peur. Elle est trouillarde, c'est pas possible. T'es une trouillarde, Ivy. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de vous filmer le château, de vous filmer les alentours du château, le parc, le buffet. Je ne vous filmerai pas ma famille parce que c'est privé et personnel. Je ne pourrai pas vous montrer la mariée parce qu'elle ne le souhaite pas, ce que je peux comprendre. Mais par contre, je peux vous filmer tout ce qu'il y a autour et vous pouvez imaginer comment elle était magnifique, elle était majestueuse. Et voilà, tout simplement, et lui aussi. Je vais vous montrer comment je suis habillée. Voilà la tenue du brunch. En fait, c'est la même tenue que la bleu marine. Tout simplement, je vous laisse regarder ma vidéo. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous va plaire, que ça va vous plaire. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Alors, je vous raconte comment ça s'est passé. Dis, comment ça s'est passé? Ton mariage, tu as été... Oh, c'est vachement français, ça. Eh bien, tout simplement, je suis arrivée à la mairie. On est arrivé en premier avec mon fils. Et puis après, il y a mon frère qui est arrivé. Après, il y a toute la famille. On était 30, je crois, à peu près, à la mairie. On n'était pas plus que ça. C'était magnifique. Elle avait une robe sublime, somptueuse. Elle ne veut pas que je la monte, donc je ne pourrais pas la montrer. Je vous montrerai des photos du château, là, justement. Voilà, je vous montrerai un petit peu tout ça. Je vais faire un sacré montage. Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui vais le faire, c'est plutôt Chris qui va le faire. Je l'adore, Chris. Et donc, du coup, pas pour les montages, hein, je l'adore tout court, il est vraiment adorable. Et donc, du coup, on arrive, il pleuvait à torrent, mais quand je vous dis à torrent, avec des grêlons, je sais pas si c'était des grêlons, mais c'était un truc de fou, quoi. D'ailleurs, vous allez voir le château, vous allez voir le temps, voilà. Vous allez voir le temps et le climat était pas top. Et nous avons plein de parcs, plein. Il y en a plein. Bon, il fait très, très, il fait vraiment pas beau, mais on a plein de parcs. Regardez, hop. Je vous montre, je descends. Là, vous pouvez faire des photos magnifiques. Le château, il est sublime. Regardez les allées, là. Non, franchement, c'est magnifique. Là, je vous montre. Château. Regardez. Rapidon. Et puis là, ça, c'est l'arrière du château. Vous voyez, je vous emmène, hein. Vous ne verrez pas beaucoup, vous verrez plus le château. Un petit banc. C'est pour vous que je fais ça. Hein. Et en même temps pour mon frère, parce que... Voilà, regardez. Vous avez un petit puits aussi qui est très joli. Comme ça, ceux qui n'ont pas été dans la famille, qui n'ont pas pu venir, bah, ils verront, quoi. Voilà. Franchement, c'est... Sylvie, je te fais un gros coucou. On a pensé à toi. Je ne sais pas si ça fait partie du château. On va regarder. Est-ce que ça fait partie du château? Je ne sais pas. Oh, une mare, mon Dieu. Regardez, une jolie mare. Oh, c'est magnifique. Et puis, on arrive devant le château. Waouh! Waouh, 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 waouh. Alors, il monte, bon, bien sûr il pleuvait, il y avait la traîne et tout. Elle avait une robe sirène. Oh mon Dieu, la robe. Peut-être la robe, je pourrais la montrer parce que je vais couper sa tête. Donc je vais lui demander si c'est possible. Je vais lui demander. Et donc on arrive au château. Lui, il était magique, son mari, son futur mari, il était magique, il était très très élégant. On a fait des photos et après on a refait, elle n'a pas passé les alliances à la mairie, elle a voulu passer les alliances dans le château. Elle a remis ses alliances ici, donc on a refait le même, on a refait l'hôtel. Ah voilà, là c'est là où il va y avoir le brunch, regardez. Donc on a fait comme dans les films américains là, avec les chaises, avec les fleurs sur les côtés, les chaises blanches, vous verrez, je vous mettrai tout ça. Et puis ils ont échangé leurs vœux. Ils ont échangé leurs vœux. Magique. Elle avait une bague. Elle avait une bague, comment dire, magnifique. Et en fait, l'alliance allait s'encastrer dans la bague. C'est un truc de fou.
Et du coup, eh bien, voilà, ils sont échangés. Alors, il y a eu des petits jeux, notamment quelque chose de très joli avec un olivier. Et on devait chacun une petite carte, mettre un petit mot. Et après, elle est venue chercher avec une corbeille et on a déposé les petits mots dans l'olivier. Franchement, c'était super sympa. C'était très, très joli. Je vous aime. Je vous dis, I love you, je vous dis, je t'ai dit tout l'amour. Et puis, voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. Et je vous fais plein de bisous. Thank you.